La vie privée est tellement importante qu'elle même est protégée par des principes. Par exemple, le principe de l'inviolabilité du domicile. Le domicile, c'est comme le terrain de football pour le football. Le ring, c'est le terrain de combat pour la boxe. Tout ça est réglementé. L'exercice sexuel, c'est au domicile. Et si c'est au domicile, parce qu'il y a ce principe de l'inviolabilité du domicile, aucun juge ne peut venir vérifier ou dire la loi ne coupe pas. Même quand c'est la femme qui demande à faire un constat, parce que quand vous êtes marié officiellement avec quelqu'un, vous partagez le droit de la protection du domicile, puisque vous partagez le domicile de par le mariage que vous avez vous-même contracté. Vous avez donc renoncé à vos droits individuels et vous avez eu l'engagement de partager. Même quand vous avez un divorce, la personne qui veut constater le divorce doit demander l'autorisation du juge. Le juge lui-même doit limiter le travail de l'huissier qu'il va autoriser à aller chez vous. Oui, oui. Parce que c'est inviolable. Parce que c'est inviolable. Oui. Et c'est la loi supérieure qui dit ça. Donc pour violer ce qui est inviolable, il faut des précautions. Donc c'est encadré dans la procédure. Et on va dire à l'huissier, tu viens demander l'autorisation, d'accord, parce que c'est madame qui demande, c'est bien, mais tu ne peux aller là-bas que de 6 heures du matin à 18 heures. Et vous devez marquer l'heure d'arrivée et l'heure de départ.